À partir du moment où la viande est donnée, aux pauvres en tant que telle, je vois pas en fait, si tu veux, en quoi, si tu veux, l'abattage rituel d'un animal pose problème. Tu vois? À partir du moment où la viande n'est pas jetée aujourd'hui, l'industrie animalière, enfin en tout cas l'industrie agroalimentaire, qui fournit, je dirais, McDonald's et tous les fast-foods, on va dire abat en quantité bien plus élevée, bien plus élevée que tout cela. Donc la question n'est pas, si tu veux, la manière dont les gens s'alimentent à partir de l'abattage rituel. C'est-à-dire que l'abattage rituel en tant que tel ne pose pas de problème. Toute la question est de savoir, si tu veux, si cet abattage rituel se fait dans certaines règles d'hygiène et dans certaines règles qui sont censées préserver, si tu veux, l'animal dans sa souffrance. Après cela, voilà, le rite lui-même existe chez les Juifs, il existe chez les musulmans. Et il ne pose pas de problème en soi, tu vois, en soi. Le problème, c'est encore une fois la manière dont on transforme tout ça en business éventuellement et en un rite qui n'a plus aucun sens. Mais globalement, le fait d'abattre un animal pour se nourrir et pour nourrir les pauvres ou pour se nourrir soi-même, ça ne pose plus aucun problème. Aujourd'hui, on est dans une ère où on confond pas mal de choses, en fait. Tu vois, il y a pas mal de choses qui sont confondues. Et donc, il y a toute une série de gens qui, aujourd'hui, sont en train de remettre en question toute une série de choses. Alors, je ne dis pas que certaines choses ne doivent pas être questionnées, mais il faut les questionner dans le bon sens. Est-ce que de quoi on parle exactement? De l'abattage rituel? Mais aujourd'hui, l'abattage rituel juste pour toute l'industrie des fast-food, est-ce qu'elle ne choque pas? Enfin, je veux dire, elle est bien plus choquante, si tu veux, quand on voit le business qu'il y a derrière cela, la manière dont ces animaux sont traités. Je ne sais pas pourquoi on se focalise à ce point, si tu veux, sur une seule religion ou sur les juifs et les musulmans, par exemple. Tu vois? Est-ce que le problème, c'est quoi dans le fond? Tu vois? Si c'est la souffrance de l'animal, l'islam, théoriquement, a traité cette question. Ensuite, si les êtres humains ne le pratiquent pas, ou en tout cas les musulmans ne pratiquent pas cela correctement, c'est un problème d'être humain. Tu vois, la religion en tant que telle n'a pas, si tu veux, institué l'abattage rituel comme enfin, c'est quelque chose qui a toujours existé dans l'histoire de l'humanité. Tu vois, le fait de se nourrir des animaux, je veux dire, tu pourras jamais enlever ça. Tu vois, donc tu vois, donc toute la question est de savoir la manière dont on le fait et le sens qu'on donne à tout cela. Tu vois. C'est surtout cette idée-là qui, moi, me pose problème, c'est-à-dire la transformation, je dirais, des animaux et de la nature en une chose matérielle dont l'objet est de gagner de l'argent. C'est-à-dire que c'est toujours, encore une fois, la manière dont on transforme ces choses-là qu'on leur fait perdre leur sens originel. Tu vois? C'est ça la question, au fond. Voilà, qui trahit la question. C'est ça qui, c'est quand elle trahit le sens et la question, c'est ça la question, au fond, qu'on doit poser, pas l'abattage rituel en tant que tel. Ah, excuse-moi, donc j'ai mal compris ta question. Voilà, j'ai mal compris ta question. Ben, évidemment, il est clair et évident que si les structures d'un pays ne sont pas prêtes pour pouvoir permettre cet abattage massif d'animaux dans des conditions décentes pour les animaux, il faut absolument passer ou en tout cas payer cet animal dans des pays pauvres où ces conditions sont réunies. La question n'est pas de savoir. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il faut absolument substituer cet abattage par une somme d'argent qu'on peut éventuellement verser à des pauvres. Et donc ici, je pense que les savants doivent faire un travail juridique, justement, en donnant ce genre de réponse pour, premièrement, diminuer la souffrance des animaux, parce que c'est ce qui nous concerne le plus. Tu vois, si un animal souffre en tant que tel, on fait souffrir une créature. Et quand on fait souffrir une créature de Dieu, inévitablement, on a trahi le pacte qui nous lie à Dieu. Tu comprends? Et donc ici, pour moi, l'abattage rituel, oui, si c'est possible dans les meilleures conditions, si c'est pas possible, on doit substituer ça par autre chose.